les cadavres se... Bonjour à vous, je suis Harry Figbal et vous regardez WNS News. Nous en savons un peu plus sur la tentative d'enlèvement ayant visé Hanako Arasaka durant la parade sponsorisée par Arasaka. D'après les premiers témoignages, les assaillants ont frappé à... Tu vas servir d'appât pour une opo. C'est un compliment. T'as l'air différente. Et c'est encore. La troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Salut Rogue, t'es prête? Encore toi? On y va? Il est où, Johnny? Il a pas pu se libérer, finalement? Waouh! T'es vraiment... Ce waouh, c'est toi ou Johnny? Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Je fais juste le taxi. Je vois que tu le mènes à la baguette. T'es malin pour ton âge. C'est la Porsche de Johnny? Où tu l'as trouvée? C'est ça qu'il y avait dans le conteneur, dont Grayson parlait. Je vois. Cette caisse me rappelle plein de souvenirs. En route. Le Silver Pixel Cloud, c'est l'endroit que tu préfères? À une époque, oui. J'y suis pas allée depuis des lustres. Les drive-ins sont passés de mode il y a un siècle. Mais le Silver Pixel tient toujours le coup. Ça a l'air premios pour un rancard. Je trouve aussi. C'est pour ça que j'avais suggéré à Johnny de m'y emmener, il y a 1 million d'années. Donc, c'était pas son idée? Bien sûr que non. Pour lui, une soirée romantique, ça consistait à faire exploser le QG d'Arasaka. Bon, allez, fille. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Comment ça? Johnny fait jamais rien sans avoir une idée derrière la tête. Alors, c'est quoi, cette fois? Johnny a changé. Il veut vraiment passer du temps avec toi. Aucune embrouille, aucune arrière-pensée. Ouais. Rogue? Je dois juste me faire à l'idée. Un Johnny Silverhand, désintéressé. T'as une bonne influence sur lui, apparemment. On y est. Putain. Non mais j'y crois pas. Ça fait vraiment des années. En fin de compte, il a fini par fermer lui aussi. V, trouve un moyen d'entrer. C'est pas ça qui va nous arrêter. On t'a invité à sortir, merde. Très bien. Fais ce que tu veux. Je te regarde. Ok. Ça doit être le mot de passe. Eh ben, on va vraiment au ciné, alors. Ok, on peut y aller. Bien joué. Essaie de lancer le projecteur.
Je vais nous choisir des sièges. Ça roule. Bon, va voir un peu le projecteur. L'entrée est par ici. Ok, apparemment j'ai trouvé le projecteur. Est-ce que par hasard tu sais comment ça marche, ce truc ? On va bien voir. Regarde ça. Dernière diffusion, Bushido X. Parfait. Ça m'a l'air d'un bon gros nanar. V, on est dans un drive-in. On s'en bat les couilles du film. On veut juste un fond sonore. Un peu de sang, des nichons, des tripes, ce genre de trucs, quoi. Alors Bushido a le film parfait. Bon, V, tu peux y aller. Je m'occupe du reste. Amusez-vous bien, les jeunes. Je nous ai pris la meilleure place. Monte. Ah, alors c'est comme ça qu'on fait. Rogue, j'ai plus besoin de ce monde. Mais j'ai besoin de toi. Johnny, je me suis trompée à ton sujet. Et c'est bien dommage. Tu l'imaginais comme ça, ce rencard ? J'ai toujours su qu'il fallait que les choses changent pour qu'on puisse aller voir un film, tous les deux. J'aurais jamais cru qu'elles changeraient à ce point-là. Faisons comme si on était en 2015, ok ? On vient de se rencontrer, et je me doute pas que t'es un putain de salaud. Bien sûr, et je t'ai emmené au ciné pour qu'on s'envoie en l'air, au fait. Tu sais que c'est techniquement possible. Ok, alors on est en 2015. Si tu pouvais tout recommencer, tu voudrais changer quelque chose ? Je ferai tout mon possible pour pas te perdre. Johnny, je... Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que... J'ai eu le temps de réfléchir pendant ton absence. De tout et si... J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Johnny, il y a des tas de choses que je te cache. Mais tout ce qu'on a, c'est cette soirée. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Rogue, je suis en sursis. Et dans un corps qui m'appartient pas. Mais je suis là.
Johnny, je peux pas. C'est pas juste. Tu veux dire pas juste pour V? Non, pour toi. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. Comme si j'étais encore la Rogue que t'as connue. J'ai même réussi à m'en convaincre pendant un moment. Je vais rentrer toute seule. Rogue! Merde! Rogue est parti. Ouais. Cette engueulade, c'était quoi? Ah, j'en ai aucune idée. C'était censé être une soirée sympa au drive-in. Et maintenant, elle est en colère, et elle veut pas me dire pourquoi. T'as des idées? Des soupçons? Tu te souviens de Grayson? Comme il lui a parlé? C'était bizarre. Je dirais pas que c'était... bizarre. Je pense qu'il jouait avec elle. Faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, emmène-moi à Northhawk. C'est censé t'aider à comprendre Rogue? Non, Kerry. Je t'expliquerai une fois sur place. Ce film, c'était juste une grosse daube. J'ai besoin de quelqu'un de discret pour une opération éclair. Il s'agit de poser des mouchards dans un lieu sous haute surveillance. Tu as le briefing, lis-le. Je peux vous offrir quelque chose? On va jusqu'au bout cette fois.
ville est au courant de ce qui s'est passé dans le sanctuaire. Ta négligence va se refléter sur ton salaire. Je boucle le contrat. C'est abusé. Appel à tous les sous-traitants du NCPD, on a un nouveau mandat. Possibilité d'une activité criminelle organisée sur Sycamore Street. Impala Automatics utilise des propriétés industrielles appartenant à la ville. Night City a récemment mis fin à leur contrat de location pour cause de non-paiement du loyer et des frais associés. Impala Automatics a refusé d'évacuer les lieux couverts par le contrat et les occupe désormais illégalement. Les autorités de la ville offrent une récompense à quiconque parviendra à expulser. Impala Automatics.
ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, au juste? Apparemment, Kerry s'est payé un joli petit manoir, ici. Il s'est bien démerdé. Où est-ce que t'as entendu parler de Kerry? Un peu partout en ville. Les infos doc racontent un tas de conneries sur lui. Oh, mais c'est vrai, t'étais pas là. Ta fameuse petite virée. Tu vas aller le voir, du coup? Ouais. Autant faire ça, maintenant. Alors quoi? Je me pointe chez Kerry et je me balade en critiquant ses rideaux, c'est ça? Tu sais ce qu'ils écrivent sur lui? Qu'il est dépressif et qu'il a fait une tentative de suicide. Quoi? T'as vraiment peur qu'il essaie de se tuer? Qui sait? Dans tous les cas, je pourrais lui donner des conseils. Tu veux dire que tu comptes y aller en personne? Tu veux que je te file les rênes? Ouais. J'ai été sage la dernière fois, non? Oh, ça va, j'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. Ok. Mais je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Rien de stupide, promis. Je veux juste voir comment il va. Comment tu vas lui dire que c'est toi? Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. C'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V, Kerr a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct, avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis-moi quand tu vas prendre le contrôle. Ce design de merde. J'espère qu'il a payé sa chère, au moins. Un degré de mauvais goût pareil, ah, il faut le justifier. Papillon radieux émergeant de la chrysalide de samouraï. Oh bordel, on dirait une putain de mise en scène pour un catalogue. Cette déco doit pas être de Kerry. Il bouffait toujours au resto. Toujours. J'en ai utilisé quelques-unes du temps de samouraï. Il est sous la douche, apparemment. Et tout seul aussi.
Une chance, hein, crois-moi. Allez, laisse-moi faire, je vais le faire sortir de son trou. Prends un des cachets magiques de Misty. Allez. Ok. Oh, c'est vachement mieux, là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. The desire to destroy. T'es qui, toi, putain? Continue à jouer. Très bien. Johnny? Kerry? Non. Oh, non. Non, c'est une putain de blague. Attends, qu'est-ce que Silver End m'a dit avant de mourir? Je t'ai dit d'arrêter d'être une couille molle. Est-ce que t'as réussi? Putain, Johnny Silver End. Merde. Mais comment c'est possible? Surprise! Putain d'enfoiré! Ok, tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire, ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Tu testes un nouveau look pour rester dans le coup. Bah, toi aussi. T'as plutôt l'air en forme. Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'un verre. Ok. Allez. Explique-moi. Pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'Afterlife? C'est V. Il te plairait. Putain, Johnny. Ça explique que dalle, ça. Jolie baraque. Et t'as encore rien vu. J'ai emménagé après la sortie du 4e album. Il s'est bien vendu, apparemment. Hé, je t'emmerde, Johnny. Tu vas pas commencer. T'as signé chez qui? Ben, chez Arasaka, évidemment. Le matin, j'enregistre dans leur studio, et le soir, on se fait une petite bouffe entre voisins avec Yori. Ouais. Bon, sérieux, t'as signé chez qui? MSM Records. Un autre pilier de la société. Allez, assieds-toi. Et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps. Tu vis ici tout seul, ou quoi? Non. Il y a mon cuistot, Ariel, mais il n'est pas là aujourd'hui. Miguel... Et qu'est-ce que je fous? Ça te regarde pas, Tchoum. Assieds-toi et raconte. Je te préviens, c'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique, et surtout bien triste, pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu te les coulais douces en orbite, tout ça pour réapparaître et venir chier sur mes choix de vie. Alors là, je vais péter un plomb. Oh, c'est un vrai crève-cœur. Oh, oh, putain! Tu te rappelles? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins, Denny était contente. T'es resté en contact avec les autres? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis, maintenant. Elle bosse pour N54 News. Je pourrais essayer de mettre la main sur Denny et Henry, si tu veux. On pourrait peut-être se voir, jouer ensemble, ou je sais pas. Quoi, tu veux reformer Samouraï? Je sais pas. Peut-être pour un concert. Genre, dans un tripot où personne ne nous reconnaîtra.
Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. D'accord, c'est parti. Ah, excellent! Bon, je t'envoie le numéro de Nancy dans une seconde. Je vais traquer Henry et Denny. Si je suis pas là, vois ça avec V. Ok. Ça se passe bien entre vous? Pas trop en ce moment. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et comment je fais? Johnny, ça va? Non. Alors, tu dois être V. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risquait d'arriver. Vous vous êtes bien amusé? C'est de la désapprobation que je sens. Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi cette histoire de concert? Oh, t'as entendu? Ouais, vu que l'effet des cachets se dissipe. Alors? Tu veux voir Samouraï en live? Ce sera sûrement la dernière occasion. Ok. J'appelle Nancy. Ouais, super, ça c'est bien. Nancy? Bess? Bess Isis? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité. Steven, N54 News. Comment puis-je vous aider? Je veux parler à Bess. Ah, elle n'est pas là. J'appelle de la résidence de Kerry Urodine. Ah, cool. Mais Bess n'est toujours pas là. Elle était censée être de retour il y a 2 jours. Elle est allée au Totentanz pour filmer un truc. Un reportage sur le Maelstrom. Rappelez la semaine prochaine, ou regardez les infos. S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement. J'ai un mauvais pressentiment, V. Je pense qu'on devrait aller au Totentanz. Ok. Là, je suis jaloux. Je cherche un nouveau crasher. Un truc décent. Eh ben... pas de problème. Thank you.
Je cherche un nouveau crasheur. Un truc décent. Eh ben... pas de problème. Merde, je crois que je commence à comprendre. Aucun journaliste s'attaquerait aux Totentens, à part Nancy. Allez, V, monte. Sur le bouton, je sens plus mes doigts. T'entends ça? C'est Tinnitus, des gars à nous. J'aime bien celle-là. Vas-y, tu vas te fondre dans le décor. Putain, j'y crois pas! Tu te souviens de cette vidéo, Allfoot? C'est le Tchoum qui nous avait piqué le Flathead! Non, 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 attends. Il serait pas assez con pour se pointer ici. C'est toi qui a... Je cherche Bessisis. Dis donc, t'es bouché, on dirait. C'est toi qui a piqué le Flathead. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est lui. Visant deux. Un nouveau trophée de chasse. Tire-toi. Tout de suite. C'est le fils de pute d'Olfoot, je suis pas aveugle. Qu'est-ce que tu veux? Celle-là, garde-la. Bessisis, ça te dit quelque chose? Vous bossez ensemble? Non, je veux juste lui parler. Pareil qu'elle est là. Lui parler, c'est ça. Suis-moi. C'est trop facile. Tu t'inquiéteras plus tard, on doit trouver Nancy. Pour être honnête, je devrais te remercier. Pourquoi? L'incident à Allfoot m'a bien arrangé. Tout le plaisir était pour moi. Ça doit être chouette de jouer ici.
l'ai déjà dit, je suis... Journaliste musique. Tu peux m'expliquer comment tu l'as fouillé, ton dard? Parce qu'elle a quand même réussi à appeler à l'aide. C'est Nancy. Ils l'ont tabassé. Hein? J'ai appelé personne. Je le connais même pas. Mais nous si. Et il n'est pas question qu'ils nous refassent le même coup. On va s'amuser, toi. Oh merde. Merci. Allez, on la sort d'ici. Alors, t'es qui? V. Kerry Urodan qui m'envoie. Kerry? Merde, je pige pas. Je pige que dalle. T'as dû passer trop de temps là-dedans avec Patty, la parano. C'est à propos de Samouraï. Je t'expliquerai, ok? D'accord. Tirons-nous. Suis-moi, je sais comment sortir. L'ascenseur, là-bas, allons-y. Je t'ai détecté. Ma voiture est dehors. Est-ce que ça va? J'ai connu mieux. Cette pommarde était persuadée que j'étais une espionne. Viens. Merde, j'espère que la voiture est toujours là où je l'ai garée. Qu'est-ce que t'es vraiment venu faire ici? Je voulais faire un reportage sur la musique du Totem Tense. Pas étonnant que Patricia ait pas cru à ton histoire.
pourrait être pire. Là, ça te fait un souvenir. Tu parles d'un souvenir? Je vais direct à la salle de montage. Si tu veux qu'on parle, va falloir venir avec moi. J'espère qu'on va arriver en un seul morceau dans cette poubelle. Alors, il veut quoi au juste, Kerry? Il veut reformer Samurai. Juste pour un concert, une soirée. Samurai n'existe pas sans Silver End. Je vais remplacer Johnny. Toi? Disons juste que Silver End était plus un visionnaire qu'un Zikos. Je vais gérer, t'inquiète. Eh ben, si t'as réussi à convaincre Kerry, mais qu'est-ce que j'y gagne? Ça, c'est un truc que je te laisse voir avec Kerry. Je manquerai pas de lui demander. Oh, Patricia. Cette salope parano. J'aurais dû venir les voir du temps de leur ancien boss. Royce. Non, t'aurais pas voulu ça, crois-moi. On y est. Descends. Ok. Et pour le concert? Dis à Kerry que je vais l'organiser. On se tient au jus. Ça marche. Merci. Bon, ça s'est passé nickel. Allez, appelle Kerry. Salut. Alors, c'était comment? T'as parlé à Lens? Ouais, elle est d'accord. Elle va même organiser le concert. C'est toujours une contrôle fric. Génial. J'ai eu quelques petits soucis avec les braves gens du Maelstrom. Oh, génial. Bon, écoute. Moi, j'ai eu Henry. Ouais, j'ai dû le faire sortir de désintox. C'est une histoire de fou, en plus. Dis-toi que pendant tout ce temps, Henry savait même pas que Danny était à Night City. Il va la voir, en ce moment même. Il va lui faire une surprise. On doit tous se retrouver chez Danny. Quoi, moi aussi? Pourquoi? Ah, tu vas jouer avec nous, non? Faut que tu rencontres les autres. Je t'envoie l'adresse. Et voilà, on vient de se remettre ensemble. La trouille de se faire larguer. Alors, il me largue toujours. En premier. Et moi, je suis toujours à recoller les morceaux comme une pommarde.
nous. Théo, c'est lui. Il est. Pomar. Pas vous. Vous avez tellement d'amour et d'empathie, oh. Je sais que ça peut sembler dur, mais il faut aussi vous occuper de vous-même, Théo. On ne peut pas toujours aider les autres. Merci, Brendan. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez, faut que j'y aille. Merci de m'avoir écouté me plaindre. Je parie que même Donald Lundy mange parfois un pot de glace entier et use trois paquets de mouchoirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a sûrement fait faire des rénaux, et Henry a dû emprunter le camion. Ce Pomar a toujours été bon en impro. Ils sont peut-être à l'intérieur. Essaye l'interphone.
Bon, ok. Eh ben, on va continuer de chercher. Ah bah putain, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Tu tombes bien, on a un problème. C'est censé être ça, la surprise d'Aloy? Ouais, j'ai loupé un ou deux épisodes, on dirait. Apparemment, il lui en veut pour quelque chose. C'est pour ça qu'il a rempli sa piscine de ciment? Henry a toujours eu tendance à ce moment-là, tu me diras pourquoi tu m'as laissé crever dans la rue? J'ai fait ça juste au cas où t'oublierais ce que t'es venu faire ici à la base. C'est Kiri qui m'envoie. Pour le concert. Quel concert? Et pourquoi il vient pas me parler lui-même? On reforme Samouraï. Pour une soirée seulement. Quoi? Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir? C'est touchant. Mais y a pas moyen. Il est pas question que je joue avec cette tâche. Denny! Non. J'ai dit non. C'est lui ou moi. Alors à vous de choisir. Denny fait sa tête de mule. On est foutus. Est-ce que tout va bien? Trop pas, mec! Denny veut pas de moi au concert! Et on s'était déjà arrangé, et tout! Ah, c'est génial, putain! Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le camp de ma pelouse! M'oblige pas à choisir. Bah alors, c'est quoi le plan? Je préfère jouer avec Henry. J'ai rien contre le fait que Denny nous accompagne. Bah t'aurais dû y penser avant. Maintenant, vous allez tous foutre le camp chez moi. Fais chier. Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça maintenant. Et Nance alors? Elle est d'accord? Ouais. Se charge de l'orga. Elle nous appellera quand tout sera prêt. Nancy prend les choses en main. Comme à la bonne époque. Allez, mon. Bon, on peut pas faire plus. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. À part attendre que Nancy appelle. Bordel. Je sais même pas qui t'es ni pourquoi tu t'es mêlé de ça. Alors garde ta salive et barre-toi, ok? Je me demande ce qu'Henry lui a fait. Tu penses que Denny avait une bonne raison de faire une scène?
derailed.